Les amis, c'est un jour important. Ah là là, c'est de la folie. Bon, je vous explique vite fait. Il y a quelques mois, je sais plus exactement la date. On avait regardé l'autre jour, mais je sais plus exactement la date. Il avait été annoncé. Non, enfin, j'ai vu une sortie qui met mes deux passions un petit peu ensemble, donc folie, qui est le skateboard et Pokémon. Vous allez me dire compliqué pour jusqu'à maintenant de comprendre. En gros, la marque Santa Cruz, qui est une marque de skate, a fait une collab avec Pokémon pour sortir des planches mystères. Alors plus loin que les pochettes mystères, par exemple Enigma que nous avons fait, eux ils se sont dit on va faire des skateboards mystères. Et alors en gros, c'est sorti, ça a été en rupture en 2 secondes. En gros, ça coûtait ça en magasin environ 150-160$. C'est en rupture de partout, c'est que en revente et à l'heure actuelle c'est environ 450€. Une planche comme ça scellée. Pourquoi scellée est important? Parce que à l'intérieur de ce packaging, vous avez 20 planches différentes. C'est ça, 5, oui, 20 planches différentes. Donc les premières, Pikachu, etc., vous les reconnaissez tous, hein, bien évidemment. La deuxième, alors on va dézoomer, alors désolé pour l'état du bureau, parce que voilà, on fait les ouvertures. La deuxième ici, Ronflex, etc., jusqu'à Mew. Et après, derrière, si j'arrive à vous les montrer, voilà. Ici, Dracaufeu, Mewtwo, Tortank, Florizarre et Magikarp. Et vous avez éventuellement la possibilité de tomber les planches gold qui sont tout en bas. Et en gros, les planches gold, il y en a 50 de chaque. Donc dans le monde, il y a 50 Pikachu, 50 Evoli, 50 Dracaufeu, 50 Levator, 50 Mimiki. Ok ? À l'heure actuelle, on estime environ, et à prendre avec des pincettes, mais à environ 5 000€ le Dracaufeu en or, 5 000€ minimum, je crois. D'accord ? Donc voilà, c'est très recherché par les collectionneurs. C'est un produit vraiment très très rare. Et j'avais mis une donation goal que j'ouvrirais cette planche-là si on l'atteignait. On l'a atteint. Donc bien sûr, merci à tous les participants. Plus spécifiquement à French, bien évidemment, qui a fait une grosse donation de folie pour soutenir le stream. Et du coup, nous allons honorer notre partie du pari en ouvrant cette planche-là. Alors, qu'est-ce que j'aimerais? C'est souvent la question que les gens me posent. En vrai, je vais être content avec n'importe quelle planche, parce que mon Pokémon préféré est en Psychoquack, il n'est pas dedans. Peu importe lequel j'ai, je serais très content parce que je limite dans mon objectif à terme, si un jour je suis riche, c'est de toutes les avoir. Je ne me prends pas la tête, je me fais un mur. Mais là, maintenant que je sais que je vais en avoir une, je vais quand même choisir, tu vois. Mais en vrai, je pense que le Gengar, dont Ectoplasma, Ectoplasma Mewtwo Dracaufeu, ça me fait quand même bien kiffer quoi. Ectoplasma Mewtwo Dracaufeu me font bien kiffer. Et après bien sûr n'importe quel gold, bon tu sautes de joie. Donc on va faire cette ouverture là les gars. Je sais pas si un jour je pourrais en refaire une autre. J'en sais rien du tout. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Mais toujours est-il que bah, on va s'en ouvrir une ici. Et puis ça va être bancal parce que je sais même pas comment je vais vous le montrer. J'ai le fond vert qui est activé donc à tout moment, c'est Florizarre, je vous la montre, vous verrez rien. Ça se vend sur StockX carrément. Ah ouais, non, mais c'est un objet de collection. C'est combien sur StockX? Dis-moi le prix, 400, 450 balles? C'est ça, Nano? Pas que j'ai annoncé des bêtises durant toute la vidéo, quoi, mais il me semble que c'est ça. J'ai un ciseau. 330, mais manque les frais. Oui, bah oui, avec les frais, tu vas arriver à ça. Allez, les gars. Oh putain, j'ai peur. On a hâte de te voir laisser. Jamais de la vie, je monte dessus. Ah, French. C'est pas drôle. Si, c'est très drôle. Allez, je donne un coup de ciseau là-dedans et on y va, les gars. Mais je crois que l'emballage ici est pas la seule sécurité qu'il y a. Parce que bah, bien sûr, tu vois, il fallait éviter que les gens puissent voir à travers. Et je crois que normalement, ok, si je tire la planche là, elle est encore emballée, voilà. Oh, c'est de la dinguerie. Elle est ouverte. Le papier, je vais le garder à vie. Là, voilà, elle est là. Je sais pas, je fais quoi, les gars? J'ouvre et je regarde moi, regardez le petit papier Santa Cruz. Non, le deuxième emballage, je veux rien dire. C'est juste que c'est une sécurité pour. Parce que ici, tu vois, que par exemple, puissent faire des petits trous dans le premier emballage pour voir la couleur que c'est, tu vois. Sinon, il y aurait trop de triche. Donc, ils ont emballé toutes les planches individuellement comme ça, tu vois. À la main.
Allez, je fais quoi? Je montre à vous d'abord? Non, ouais, je vais montrer à la caméra, je vais voir en même temps que vous, mais vous allez voir la caméra. Tu peux grader? Vous êtes trop cons. Ah, les gars, je suis en stress. Attends, parce que là, la face du dessus, je vais pas avoir d'infos, je crois. Parce que là, en fait, dans la main... Ah si, je crois qu'il y a la couleur. Juste le papier Santa Cruz X Pokémon est fou, je peux en avoir un petit bout dans ma commande. Non, non, non. Il y a la couleur dessus. Il y a la couleur dessus? Alors je la sors direct. Ok, alors on y va comme ça, les gars. On y va comme ça, moi je regarde pas. Ok. Oh, ça sent le 9. Hein. T'es prêt? Et on se souvient qu'on s'en fout. On en voulait juste une, donc on s'en fout de ce que c'est. On va juste être content de ouf. 3, 2, 1. Vous voyez pas? Moi, je vois. Vous voyez pas? Moi, je vois. Alors, vous pensez que c'est quoi, les gars? Non, je vais pas faire le suspense. Je vais pas faire le suspense trop longtemps. C'est pas un des Pokémon qu'on ciblait. Mais on est trop content. Elle est trop belle, sa mère. Elle est incroyable. Parce que c'est beau. Oh là 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 là. J'aurais des problèmes avec le fond vert. Tout le décor a disparu. C'est la R bizarre. Je vous la montrer comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça. Le sourire est dégueulasse. Hein. Regardez ça. Oh là là, je suis tellement refait. Qu'est-ce que c'est beau comme item. Ah, ça y est. Ça y est. Oh là 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 là. Et donc voilà, tu as ça à terme quand j'aurai plus de fond vert. Bam. Bon, du coup, on la met à l'autre sens. Voilà, mais tu vois, bam, sera accroché là. Je vais avoir un mur de toutes les planches. Au fait, c'est ça, kickflip. Allez. Là là. Oh la dinguerie. Ah la dinguerie, j'avoue, vous m'entendiez plus. Non, je disais, ouais, c'est trop beau, quoi. Oh là là, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau comme produit, putain. Il y a un numéro de série dessus et tout. Hein. Là, ça rigole pas, hein. Pour éviter les contrefaçons. C'est vraiment un produit, genre, voilà. Et ça, tu vois, déjà ça, là, en vrai, bah, ça a une valeur en revente. Ouverte aussi, tu vois. Parce que bah, les gens les collectionnent, il y a des mecs qui essaient de tous les avoir, tu vois. Donc non, c'est trop beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Oh là 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 là. Même là, tu vois, avec le petit logo Santa Cruz, tout brillant. Voilà. C'est fou, j'ai vu un gosse. Ah, oh, c'est magnifique, franchement, je te jure. La vérité, je crois que pour Noël, si je vais demander un truc, je vais demander ça. Toute ma famille, un seul cadeau, juste une planche, Santa Cruz. C'est bon. Non, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël. Le Père Noël, au Père Noël, je vais demander, au Père Noël. Oh là là, putain, c'est un item tellement incroyable. Oh, je suis fou l'amoureux. Bon bah les gars, merci infiniment. Merci à tous. Elle sera dans le futur studio qu'on aura. En déco. Mais ouais, c'est la dinguerie. 360 euros sur eBay, la bulbie très belle. En vente réussie? Ou en vente, ouais, tu vois, c'est tout, un prix super cher, quoi. C'est magnifique. Bah, merci infiniment, encore une fois. Oh là là! Ah ouais, non, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. En loose en plus. Pas gradé, hein. Ah, c'est magnifique. Merci infiniment. Voilà, voilà. On se fait des petits kiffs des fois. Et allez, maintenant, on s'ouvre une box Arsenal à 260 euros. Elle est pire, quoi.